Alors, le public en demande, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous proposer ? Alors, moi, ce qui m'intéresse, on a déjà parlé, c'est tout ce qui est lié aux connexions. Quand les gens, en fait, il y a un lien qui se crée. Moi, j'aime bien quand les gens, d'un coup, ils sont liés. Ils pensent à la même chose, ils aiment la même chose. Et des fois, sans qu'ils soient proches, qu'on arrive à créer une connexion, l'humain. Voilà, c'est l'humain, le facteur le plus intéressant, c'est l'humain. On va faire ça avec... ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire la même chose que tout à l'heure. Et votre prénom, pardon, j'ai oublié. Julie. L'idée est très simple. J'ai ici une enveloppe dans laquelle j'ai écrit quelque chose et j'aimerais que vous lisiez dans votre tête. D'accord. Ce qu'il y a écrit comme un mantra. En direction de Julie. Ok. Vous êtes amis ? Oui, on se connaît un petit peu en dehors du plateau. D'accord, ah, c'est rare alors, dans le plateau, incroyable. Voilà, donc il faut vraiment que vous allez lire, voilà, je vous donne cette enveloppe, lisez-la dans votre tête, et non pas dans votre voix. Tête, voilà. Très bien. Moi je vais mettre à côté de Julie, et Julie, on va juste déplacer la table comme ceci, voilà, très bien. Julie, maintenant vous allez imaginer que votre esprit, ok, c'est pareil pour vous, Julie, vont se rencontrer au sommet. Et que vous avez comme si vous étiez un aigle et vous puissiez voir tout, mais d'une perspective en hauteur. Ok ? C'est bon, vous pouvez imaginer ça ? Oui. Ok ? Ok, vraiment imaginez ça. Et vous, Julie, c'est pareil, fermez les yeux. Et quand vous sentez ceci, vous ferez ce que vous pensez que vous envoie Vincent. Ok ? Donc, voilà, fermez les yeux. Et là, Vincent, répétez dans votre tête ce que vous lisez en direction de Julie. Et dans votre esprit, vous envoyez comme un mantra. Lisez, non, regardez pas. Lisez, lisez, lisez et projetez ça à Julie. Julie, soyez concentrée. Imaginez que Vincent vous envoie sa pensée. Vous entendez les mots qu'il dit, qui forment des phrases. Et ces phrases ont une signification pour vous. Encore et encore. Encore et encore. Quand vous avez fini, Vincent, vous regardez de nouveau. Tout en répétant dans votre tête. Je t'aime. Tenez. C'est d'accord. Levez-vous, Vincent. Qu'est-ce que vous l'avez essayé de lui envoyer? Oui, lisez à haute voix. C'était écrit, tu vas te lever, t'approcher de moi, prendre mon visage entre tes mains, m'embrasser, me dire je t'aime, puis retourner à ta place. Donc, j'espère que vous n'avez pas de copains, j'espère que vous n'avez pas d'amis, parce que... mais bon, mais il n'y a rien de... Voilà. Mais c'est juste, voilà, c'est le pouvoir de la pensée, oh, et, oui. Et bravo, bravo à vous. À vous deux, voilà. Merci beaucoup. Alors, en termes de création de connexion, un mariage, c'est plutôt puissant. C'est plutôt, voilà. C'est, je vais la garder. Marié au premier regard. Voilà. Vous êtes un bon ami à avoir quand on a des rendez-vous galants. Bon.